quand même dire aussi un petit mot à nos frères et sœurs rescapés de ces massacres. En attendant, c'est maintenant qui doit croiser au niveau alibaki si souanga. Je voudrais vous dire que aujourd'hui, vous n'êtes plus seul. Natafuta kwa juri za kwamba amuko tena nyinyi peke. Nous avons mis en place une institution qui s'appelle le Fonarev. Tulitia institution moya, structure moya banaita Fonarev. Son but est justement de prendre en charge toutes les victimes vivantes des violences et des massacres qui ont eu lieu dans ce pays. Fonarev kazi yake ni kusaidia wale wahanga wote walipata kunja massacre ama kunja ma violence sexuelle. Le but est de prendre en charge ceux qui ont été gravement atteints psychologiquement ou physiquement. Ni kusaidia wale wenye walikuwa waliguswa zaidi sana kwa kiroho na kwa kimwili, kwani katikati yenu kuko kilema, par exemple elle est toujours victime, vous voyez, et donc elle avait vraiment souffert, c'est un escapé terrible, vous voyez un peu, et donc c'est terrible. Oui, donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est vrai, ça ne va pas réparer vos souffrances comme maman avec sa jambe qui a été atteinte, je crois, par une balle, hein. Ça doit être une balle. Certainement, oui. Plusieurs même, oui. Ça me réparera peut-être pas ces douleurs, mais ça vous accompagnera en tout cas dans les efforts que vous allez fournir pour reprendre goût à la vie. Parce que vous avez droit à la vie. Je vous donne la vie à maman, je vous donne la vie à la vie à la vie. À la vie de la vie à Fonarev, il y a que je m'engage ici devant vous et je vois les médias ici à travers les médias devant toute la nation, c'est que nous n'allons ménager aucun effort pour chasser le Rwanda de notre territoire. Wanyarwanda walileta shida, wasilete tena ile shida na vita iishe. Unawatoke katika nchi ya Kongo. Okay.